Merci d'être avec nous sur 95.2 FM Radio ici et maintenant. C'est Morgane avec vous cet après-midi pour cette revue de presse interactive. Alors euh, voilà, la mobilisation euh, des Gilets jaunes qui se poursuit et euh, cette. Euh L'intervention d'Emmanuel Macron, ce soir à 20h, qu'attendent les Français, et en particulier les Gilets jaunes, de cette intervention euh, C'est euh, la question qu'on va essayer de traiter ensemble tout au long de cette émission grâce à vos interventions. Mais cela dit, euh, quelques réponses aussi par rapport à cette euh, question de sortie de crise eh bien, euh, une charte officielle des Gilets jaunes qui a été partagée euh, sur le forum de la radio, le forum.fm, euh, qui euh, nous propose euh, 25 points pour euh, sortir euh, de la crise. Alors, comme, euh, comme texte d'accroche euh, est écrit dans cette charte, je cite, « Vu que les politiciens fainéants de ne pas… » Comprendre les revendications des gilets jaunes, vu que les revendications de certains sont loin d'être suffisantes pour assurer un changement sérieux et euh, pren prendre euh, une initiative importante. Voici une liste non exhaustive, mais qui présente une garantie de résultats sur le long terme. Nous ne sommes pas naïfs. Les euh, Autocrates au pouvoir feront tout pour l'en empêcher, mais il reste néanmoins essentiel de faire appliquer ces quelques propositions. Fin de citation. Voilà, nous allons essayer de voir ensemble ces différentes propositions. Euh, vous allez pouvoir intervenir justement euh, tout de suite après pour nous dire ce que vous en pensez, euh, si vous trouvez que c'est réaliste ou pas. Et puis, euh, n'oubliez pas. Euh, que vous avez aussi euh, cette euh, possibilité, comme l'a fait cet auditeur sur le forum euh, de la radio, de partager un petit message, un petit commentaire aussi sur le forum.fm. Euh, Alors nous allons donc, comme je le disais, voir ensemble ces différentes ces différentes propositions euh, pour sortir euh, de la crise qui a été partagée euh, sur la page Facebook euh, des Gilets jaunes. Alors euh, voilà cette euh, charte est euh, divisée en euh, alors, quatre parties, voilà, euh, la première partie c'est par rapport à l'économie, le travail, la deuxième partie euh, ça consiste à la politique, ensuite euh, quelques points sur la santé, l'écologie et le dernier point consiste à, à présenter quelques propositions à propos de la géopolitique. Nous allons donc commencer à voir ensemble la première proposition euh, qui est dans cette euh, charte officielle des euh, Gilets jaunes, alors je commence, je cite, premier point. État généraux de la fiscalité, inscrire dans la Constitution l'impossibilité pour l'État de prélever plus de 25% de la richesse des citoyens. Deuxième proposition, augmentation immédiate du SMIC des retraites et des minima sociaux de 40%. Trois. Embauche massive de fonctionnaires pour rétablir la qualité des services publics avant la RGPP, gare, hôpitaux, écoles, postes, etc. 4. Logements. Plan de construction de 5 millions de HLM afin de faire baisser les loyers, le foncier et redynamiser l'économie. Par l'embauche, punir lourdement les, frais, les préfets et maires qui laissent des SDF dormir dehors. 5. Par rapport aux banques, les rendre plus petites, de se protéger des crises, casser les monopoles, séparer le spéculatif du dépôt et interdire le renflouement public. 6. Annuler la dette. Celle-ci n'a pas lieu d'être, elle a déjà été remboursée plusieurs fois. Euh, voilà, on est arrivé déjà à la fin de la première partie euh, qui consistait euh, l'économie et le travail dans cette charte qui est partagée en quatre euh, parties avec quatre thèmes différents et qui nous propose 25 propositions pour sortir de la crise. Euh, nous allons voir le reste dans quelques instants, bien sûr. Par rapport à cette partie, euh, cette deuxième partie euh, qui consiste à parler euh, et à faire des propositions sur la politique, nous allons voir donc le septième point. Euh, je commence à vous citer voilà ce texte Constituante, deux points à réécrire une constitution euh, par le peuple et pour les intérêts du peuple souverain, mise en place des référendums d'initiative. Populaire. Huitième point euh, interdiction euh, des euh, lobbies et autres réseaux d'influence, exclusion définitive de la vie politique de tout élu ayant un casier judiciaire, mettre fin au cumul des mandats. Donc, euh, neuf, euh, le neuvième point, la neuvième proposition, euh, Frexit, deux points, sortie de l'Union européenne afin de regagner nos souverainetés politiques, monétaires et économiques, respect du référendum de 2005 entre parenthèses, regagner notre droit de battre monnaie en sortant de l'article 123 du traité de Lisbonne, 50 milliards d'euros d'économie par an. 10. Le point euh, numéro 10. Évasion fiscale. Récupérer les 80 milliards d'euros abandonnés par l'État chaque année au CAC 40. 11. Arrêt immédiat des privatisations et récupération des biens publics. Autoroute, autoroute aéroports, parking, SNCF. 12. Radar et verbalisation de points au retrait euh, des radars inutiles et de la verbalisation euh, vidéo qui n'est rien d'autre qu'une taxe déguisée. 13. Éducation nationale. Exclure toute idéologie de ce ministère et mettre à part les techniques éducatives destructives, méthode globale et... Euh, 14. Quatorzième euh, proposition, toujours dans la partie politique euh, de cette euh, charte euh, officielle des Gilets jaunes qui est proposée euh, sur euh, leur page Facebook à propos de la justice, euh, quadrupler son budget et limiter dans la loi les durées des procédures, simplifier et rendre la justice totalement gratuite et accessible à tous. 15. Médias, casser les monopoles et le copinage médiatico-politique, rendre les médias accessibles aux citoyens et garantir la pluralité d'opinion. Euh, entre parenthèses de la part de moi-même, un petit peu comme Radio ici et maintenant, peut-être c'est ce qu'il voulait dire donc, euh, voilà, dans cette partie-là de la charte. Alors je poursuis et je ferme donc la parenthèse, mettre un terme. À la propagande des éditocrates, retirer la subvention euh, publique des médias, 2 milliards par an, ainsi que les niches fiscales des euh, journalistes. Seizième point, seizième euh, proposition euh, dans euh, cette charte officielle des Gilets jaunes qui est partagée également euh, sur le forum de la radio par un auditeur que vous pouvez donc euh, retrouver facilement, euh, garantir la liberté des citoyens et inscrire dans la Constitution l'interdiction à l'État de euh, s'ingérer dans euh, l'enseignement, l'éducation, la santé, la famille nous allons donc dans quelques instants attaquer la troisième partie de cette charte qui va consister à la santé et l'écologie. que nous allons euh, voir euh, la suite de ces euh, différentes propositions euh, des euh, gilets jaunes pour euh, sortir de la crise d'après une charte officielle qui a été partagée euh, sur les euh, réseaux sociaux par rapport à cette euh, troisième partie euh, donc euh, qui concerne qui consiste à parler donc de l'écologie et de la santé. Le 17e point qui a été abordé, c'est par rapport à l'obsolescence programmée. Rallonger les garanties constructeurs à 10 ans minimum en assurant la présence des pièces détachées. Par rapport au plastique, c'est le 18e point, interdire à très court terme la commercialisation des bouteilles en plastique, des verres et autres emballages polluants. 19, laboratoires pharmaceutiques, affaiblir leur influence, états généraux de la santé et de l'hôpital. 20e point, agriculture, interdiction des. OGM, des pesticides cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, de la monoculture. 20e point dans cette charte officielle donc des euh, gilets jaunes. 21e point euh, réindustrialisation de la France afin de diminuer les importations et donc la pollution. Enfin, la dernière partie de cette charte qui consiste à parler de la géopolitique. 22e point que nous allons voir ensemble. Autant sortie immédiate du traité de l'Atlantique Nord et interdiction d'engager l'armée française dans des guerres d'agression. 23e point. Euh, France-Afrique, cesser le pillage et les euh, ingérences politiques et militaires, rendre l'argent des dictateurs et les biens mal acquis au peuple africain, euh, rapatrier immédiatement tous les soldats français, mettre fin au système du franc CFA qui euh, maintient l'Afrique dans la pauvreté, tisser des rapports d'égal à égal avec les États africains. 24, euh, le point numéro 24 par rapport à l'immigration, de points empêcher les flux migratoires euh, impossibles à accueillir ni à intégrer, étant donné la profonde crise civilisationnelle que nous vivons. Et puis enfin, le dernier point, c'est d'ailleurs la 25e proposition, politique étrangère, qui, qui aborde le point de la politique étrangère, respect scrupuleux du droit international et des engagements signé. Voilà, on est arrivé donc à la fin de ces 25 euh, propositions qui, selon euh, toujours ce même texte, je cite, vont changer immédiatement le quotidien des Français. Les simples articles 9 et 10 de cette charte peuvent euh, rapporter jusqu'à 130 milliards d'euros par an au trésor public. La France est un pays riche, son peuple vaillant travailleur et travailleur, elle n'a pas à vivre dans la misère. Alors, euh, le point numéro 9 et le point numéro 10. Euh, à réaborder ce dernier texte vers la fin, ça, ça consiste le fric cité, l'évasion fiscale qu'on avait vu ensemble tout à l'heure. Voilà, donc ce texte que nous avons vu ensemble semble être assez intéressant, bien sûr, pourquoi pas, on peut regarder, réfléchir et en parler ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, ce soir Emmanuel Macron va s'exprimer, est-ce qu'il va réussir à sauver son quinquennat et à nous faire sortir de cette crise grâce aux propos et aux différentes mesures qu'il pourra partager. Eh bien c'était la question qu'on se posait euh, tout à l'heure. Est-ce que cette charte que nous venons de voir ensemble vous semble être réalisable? Est-ce qu'elle est réaliste ou pas Eh bien, euh, c'est à vous de euh, répondre, évidemment. En composant dès maintenant le numéro du standard, vous avez la parole et vous êtes la bienvenue au 08-92-23-95-20.